Avec Yann Bodiger, pied gauche, il y a trois hommes dans le mur du SCO Angers, Alexandre Letellier qui a laissé libre, complètement ouvert, même son premier poteau, c'est parti. Oui, Yann Bodiger, la frappe pied gauche, pleine lucarne, le camp. Il y a des signes qui ne trompent pas, les Toulousains qui tenaient une victoire se font rejoindre dans les arrêts de jeu. Le scénario va devenir encore plus catastrophique pour les Toulousains car deux minutes plus tard, à la 93e, Dembélé va lancer Grosicki, la frappe en première attention dans le petit filet d'Alban Lafont. Incroyable scénario qui coûtera la place de Dominique Arribagé. Le nouvel entraîneur, c'est donc Pascal Duprat. Pascal Duprat. Pascal Duprat. Pascal Duprat. Pascal Duprat. Pascal On rêve plus depuis longtemps. On sait qu'on va y arriver. 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 Pour ceux qui me disaient qu'il n'y avait pas de supporters et de spectateurs pour le TFC, moi ça me comble de plaisir de voir les spectateurs heureux, les gamins heureux, les familles heureuses quand elles partent du stade. Relégable pour la première fois depuis le mois d'octobre. Toulouse qui se maintiendra en Ligue 1 en cas de victoire à Angers lors de la dernière journée. Vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. À l'issue de la rencontre, vous serez des héros et on vous devra le fait d'avoir laissé le club en Ligue 1. Club en Ligue 1. I wanna know your name. Oui, Yann Bodiger, Yann Bodiger, la frappe pied gauche, pleine lucarne, le parcours sur les inquiétudes, Yann Bodiger qui l'a rentré, le coaching gagnant pour le Pascal Duprat et le TFC.
years ago. Get low when the whistle goes.